Ces souvenirs macabres sont d'autant plus frais dans la mémoire collective, d'autant plus prégnants qu'il importe de rappeler que ces crimes imprescriptibles sont à mettre au passif de l'axe du mal que l'UDPS a combattu durant 4 décennies et continue jusqu'à ces jours. Si par ailleurs, d'autres massacres ont eu lieu dans différentes provinces, de tels crimes ne sont certainement pas le fait de notre parti. Et croyez-moi, ils ne resteront pas impunis. Vraiment. Les combats que nous menons actuellement, lesquels nous mettons quotidiennement aux prises avec l'axe du mal, c'est celui hérité de nos pères fondateurs. Ces derniers ont en effet tout accepté, de la simple brimade au sacrifice suprême. Du jour comme de nuit, ils ont connu des privations, des relégations, des humiliations ainsi que des assassinats dont le but était de les anéantir moralement et ainsi les enquêtes sont en cours. Mais selon le bruit d'information en notre possession, la tuerie du 9 juillet est bel et bien l'œuvre de nos bourreaux d'hier qui sont contre l'instauration de l'état de droit. À ce sujet, il est important de souligner qu'il existe malgré tout parmi nos forces de sécurité un groupe résiduel minoritaire qui n'obéit pas toujours aux ordres de leur commandant, selon la vision du chef de l'État, mais qui recevrait des ordres venant de certaines officines politiques. Combattantes et combattants, tout au long de notre histoire, nous avons été victimes de toutes sortes d'oppressions qui n'ont fait que renforcer notre conviction à nourrir et à nourrir en nous l'espoir d'un triomphe que nous avons expérimenté à l'issue des élections de 2018. Je disais, tout au long de notre histoire, nous avons été victimes de toutes sortes d'oppressions qui n'ont fait que renforcer notre conviction et nourrir en nous l'espoir d'un triomphe que nous avons expérimenté à l'issue des élections de 2018. Vérité, merci. Les tueries que nous déplorons aujourd'hui devaient davantage réarmer notre combativité en vue de la victoire finale que nous allons certainement remporter demain. Merci. Pour ce faire, nul n'a besoin de s'affliger, car me référant aux Saintes Écritures, les livres d'Exode, chapitre 14, verset 13. Les œuvres du roi Salomon. Les œuvres du roi Salomon. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Besoin de s'affliger outre mesure, car me référant aux Saintes Écritures, les livres d'Exode, chapitre 14, verset 13, apporte ce qui suit. Je cite, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, nous sommes conscients de votre douleur et rien ne peut remplacer les êtres chers que vous venez de perdre. Cependant, nous vous prions en ce moment de dures épreuves de garder le moral haut, car vos proches,
ne sont pas morts pour, ne sont pas morts pour rien. Chacun de nous mourra pour sûr. Mieux, ils sont morts pour une cause noble. En même temps que nous combattissons ensemble, nous sommes néanmoins fiers qu'ils entrent aujourd'hui même au panthéon patriotique où reposent à jamais les femmes et les hommes forts qui ont accepté les sacrifices suprêmes pour l'intérêt général. Chers combattants, ici allongés devant nous, ici à Kinshasa comme à Lubumbashi, votre sacrifice a tout son sens. Les tueries du 9 juillet 2020 marquent un tournant décisif dans notre combat. Voilà. C'est la preuve indéniable que notre avènement au pouvoir n'est qu'une étape de parcours et que la deuxième et l'ultime phase de notre combat ne fait que commencer. Merci. Celui-ci consiste à éradiquer les quelques forces résiduelles réfractaires à l'instauration de l'état de droit, socle du bonheur de notre peuple. Chers valeureux combattants, aujourd'hui victimes de la barbarie, nous sommes fiers de vous, car vous n'êtes pas de ceux qui se résignent et se dérobent de leurs responsabilités en tant que peuple. En dépit du fait que l'UDPS, votre parti, partage en ce moment le pouvoir, vous n'avez cependant aucunement altéré votre capacité d'indignation ni votre combativité face à certaines dérives. Vous êtes resté combattant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort! Vous rejoignez sans doute dans l'au-delà tous nos martyrs qui vous ont précédés et dont nous honorons également ces jours leur mémoire bienheureuse. Vous avez combattu à main nue l'adversité et l'atrocité. Vous êtes, à n'en point douter, nos véritables héros et porteurs d'un message d'espoir à Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Merci. Dites à Étienne Tshisekedi ceci, que l'UDPS, son parti, est présentement au pouvoir, mais il partage ses pouvoirs. Et nous considérons cela comme une victoire d'étape. Et son combat va continuer jusqu'à la victoire finale. Et ce combat consiste de manière effective et sans faille à l'instauration d'un état de droit véritablement démocratique qu'il appelait de ses voeux. Il est vrai que nous n'en sommes qu'à ses premiers balbutiements, certes, mais avec le leadership du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos espoirs sont vive la mémoire de nos martyrs, que vive l'IDPS, notre cher parti, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Allez-y en paix, chers combattants. L'UDPS viva. Sikoyo, Dogotika la Sika, il y a un président de la parti. Oyo, va connaître la secrétaire générale. Voilà, dépôt à gerbe des fleurs. Nayango, Toye Baboye, Tokomiko Kimelangunga, Ba fleur, M.